Au fond, Bizarre. tu vois un truc rouge au fond là-bas? Ouais. C'est quoi ce truc? Y a un véhicule, un véhicule, y a un véhicule. Ouais, mais t'as vu comment il a fait demi-tour? Ouais, vas-y, on contrôle. Psy, à Mettez-vous l'écoute. sur le bas-côté, s'il vous plaît. Citrep. On vient de récupérer Monsieur Arès, direction le pénitencier. Bien, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, gendarmerie nationale, je voudrais juste savoir si vous êtes au courant pour tout ce qui La s'est passé bagnole cette de Jackson. après-midi. Non, du tout, non. Non, du tout. Non. Monsieur le préfet, vous savez s'il vous a envoyé un message, quelque chose? Il m'a rien envoyé, il m'a dit qu'il avait eu pas mal de problèmes cet après-midi, c'est tout ce que je sais. M'a dit monsieur le préfet. D'accord. La bagnole du Jackson sur rendu. Donc, moi je pense que je suis pas encore autorisé à vous dire. De grosses opérations ont été faites ces jours-ci, cet après-midi plutôt. Un décès de gendarme est à déplorer, donc normalement vous devrez Oui, être enfermé. Essayez de voir avec monsieur le préfet, puis il devrait vous faire un compte rendu normalement. ouais, mais je pense qu'il y avait pas mal de réunions, donc je verrai ça tout à D'accord. l'heure. Voilà. C'est condoléances du Et coup. puis, mais merci beaucoup. Et puis juste, on vous arrêtait pour le demi-tour. Ouais, demi-tour, en fait, c'est simple. Je crois que c'était une personne qui travaillait aux mines de fer, il me semble. Oui, pardon, et on voulait justement contrôler si jamais c'était du travail au noir ou quoi. D'accord. Très bien, Voilà. mais bonne soirée à vous et puis Merci à vous aussi. Et bon merci, au revoir. courage. Bonne soirée. Bon courage. Négatif, on n'est pas autorisé à communiquer. Pour Voilà, c'est info. pour ça. Pour info, il n'y a que le préfet qui est au courant pour le moment. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas communiqué. Ouais, pas de problème. Là, c'est tribunal qui est. Enfin, les magistrats qui sont dans la boucle. Là. On Ouais, a. c'est pour ça, j'ai pas dit les opérations, puis Ouais, t'inquiète. je leur ai dit juste le décès, il est déjà promulgué, donc ça, on peut déjà dire. Hein. Ils sont obligés d'être dans le secret professionnel. Je suis conduit n'importe comment, ils font des demi-tours un peu. En même temps, ils reviennent nous voir. Oui. Oui. J'ai le préfet qui scratche à la radio, donc il est en danger et il est en réunion avec Madame Élu Overbeck. Où ça? Aucune idée, il était parti en réunion hors préfecture. Ouais, c'est reçu, je vais essayer de l'appeler. Je m'en vais à la préfecture, moi, mettre Vous en dites qu'il sécurité. vous a fait un signal de détresse. Oui, c'est ça, oui. Tu Démission préviens le courte, commandement? LP.
Vous allez On a des agents préfectoraux qui nous à la disent préfecture, qu'ils ont à la reçu brigade, s'il vous des plaît, messieurs. signaux de Regardez pas détresse de la là. Ouais, part de vous allez à le palais, Monsieur en le sécurisation. Préfet, qui était en réunion avec une Je certaine préviendrai personne les par rapport à effectifs. leur position de leur réunion. Vous rentrez comme si vous voulez rentrer le véhicule, ok? Dès qu'on en sait plus, on vous informe. Sur court, OP1. Écoute. Du casse, tu vas vite au portail. Il y a la préf qui va arriver sur position. Tu ouvres le portail, tu les fais rentrer, s'il te plaît. Au portail, c'est bien reçu, on y est. Au-dessus. Ils vont arriver, ils viennent de partir de la mine de cuivre. Je les envoie en sécurisation à la brigade. Vous me les... signal de détresse du préfet. Donc ils vont potentiellement s'attaquer à la préf. Visiblement, le préfet, on sait pas où il est. Reçu? Bien reçu, on est armé à l'entrée. Ouais, je te remercie. Du coup, t'as prévenu le commandement, Brody? La bagnole de Jackson sur longue urgente. Putain, mais les mecs qui répondent pas sur la radio, ça c'est un pénible. Tu parles de qui? Mais non, mais les gens, on leur pose une question, ça fait 40 heures qu'il attend la bagnole, Jackson. Viens, on va à la préf, on va voir à la préf. Ma fille, on va se déplacer, allez où? Tu veux que je prenne le volant au pire? Ma fille, j'ai des trucs à faire. Vas-y. Commandement sur cours de... Sur Oui, écoute. cool. Il y aura un individu qui part à la brigade à amener en prison. C'est vous ou pas? Comment? Pardon? C'est vous qui aurez mis un individu en garde à vue à amener en prison? À Bagnale. Reçu. Reptile. Ouais, allô. Ça va et toi? Là en ce moment on est vie pirate etc. Donc là je vais pas pouvoir trop faire de trucs. Si tu veux parler préfecture là en avant. Préfecture Ah sécurisée à la voilà. brigade. Vas-y. Ah, Ah, fille, on a plusieurs opérations qui ont mal tourné donc. Voilà, exactement. D'accord. Éteins les gyros, s'il te plaît. On va essayer d'arriver en discret. Laisse ton véhicule dehors. Hein? Laisse ton véhicule dehors. Le véhicule Ensuite. dehors. Ensuite. Merci. Merci encore. Respect, messieurs. Merci. Pour l'instant,
aucun signal. Donc pour Est-ce que vous faire. savez où il était en réunion la dernière fois? Vous avez eu contact avec le monsieur le préfet ou pas? Il y a Non. peu. Non. Il était avec avec madame Overbeck. Voilà. Ah, c'est ça. On n'a pas plus d'infos quoi. Du gaz Est-ce de que plomb quelqu'un a le enfant. NUM de Overbeck? Négatif pour ma part. Je Commandement du Major Sinclair. À l'écoute. Actuellement, préfet Ponté disparu, ancienne réunion qu'il avait à l'extérieur de la préfecture avec madame Overbeck. Affirmatif. Je contacte madame Overbeck. Moi aussi. Ah, vous confirmez sur l'angle disparition du préfet là? Confirmé. Affirmatif. Dernière position connue du préfet? Position inconnue. Dernière personne l'avoir vue, c'est madame Overbeck. J'ai reçu un message du préfet. Me demandant à l'aide. Il est où? T'as juste demandé à l'aide? Si je le savais, je le voulais raconter. Et la SR, ils peuvent pas savoir? Ils peuvent pas traquer un donnez numéro? des informations par SMS. Position, lieu. Mon capitaine? Oui. J'ai eu les pompiers au téléphone vis-à-vis de l'appel de tout à l'heure. Un PSAV nous attend au nord de Vannes. Au sud de Vannes, excusez-moi. Pour avec une personne là-bas qui est attachée les mains dans le dos. Vannes, c'est où ça? Ouais, j'avoue, aujourd'hui c'est chaud, mec. On n'arrête pas là, c'est grave chaud. C'est le gros bordel là. Aujourd'hui, c'est cool quand c'est comme ça, c'est trop cool. Juste Vannes à sa gauche. Je vais vous mettre un point gendarmerie où se trouve la personne. Psych de commandement. Psych, écoute. Vous allez vous rendre sur la commune de Vannes. On a retrouvé un individu, les mains attachées dans le dos. Ouais, c'est bien près de Psych. Les pompiers sont sur place. Ils ont pas possibilité de nous dire si c'est. Et du coup, je te disais, la SR, ils peuvent pas voir eux? Ils peuvent pas traquer le numéro? Je sais pas. SR sur courte, commandement. J'accepte pour information à toutes les unités. Je viens de voir avec le colonel Pierce, vous pouvez tous avoir votre arme létale en bandoulière. Je vous remercie. Bien reçu. Donc 2J pour toutes les unités, on est en contact avec le procureur qui a eu un contact avec Monsieur Carter il y a de ça 3 minutes. La seule information que l'on sait, c'est qu'il était sur une plage avec Madame Overbeck. Sur une plage, vous confirmez? Sur une plage, confirmé, pas de position GPS, pas de coordonnées, rien. Donc on sait qu'il était sur une plage. Pas d'infos supplémentaires. Ouais, c'est bien suivi de PMO. Regardez bien sur votre GPS, les gars, on a une position gendarmerie au sud de Vannes. Tu me le disais quoi? C'est pour la personne qui a été retrouvée attachée pour le petit. Ouais, c'est bien pris en observation. Devait de madame. La madame qui était en réunion avec lui ne répond pas à son téléphone hein, non plus. Bon, excusez-moi, du coup, j'ai répondu à la radio. J'ai eu un appel des pompiers pour la personne là qui a envoyé le stick dessus. Non, non, oui. J'ai une question, je marque pompier en tant que nom. Au niveau ouais, tu peux marquer pompier si tu veux. Et numéro de téléphone, je peux marquer 18. Je sais pas si ça va passer, essaye, mais je pense pas que ça va passer. Essaye. Prenez carte d'identité. Prenez carte d'identité, vous me communiquez et puis vous la faites quitter le secteur. Est-ce que j'ai la ressou sur cette courte? Négatif, la ressou il est sur LP, V2, LP pardon. Brody vient en voiture. Psych de commandement. Psych, écoute.
À la fin de votre intervention, vous ouvrirez un chouquin. C'est bien pris. La Rousseau passe ses courtes psy. Brody sur courte. Deux psy à l'ensemble, on a retrouvé monsieur Joko Hendrix sur position psy au niveau de la plage. Qu'est-ce qu'il y a, Bertin? Il nous a dit de partir. Hein. Où ça? Il nous a dit d'aller en bord de mer, de faire les bords de mer. Go, 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 go. C'est pour ça, c'est le commandement nous a dit de faire les bords de mer, c'est pour ça que je t'ai dit viens. Ben, je suis en train d'appeler justement, c'est pour ça. Pas de problème, t'inquiète. On va essayer de faire LP déjà, on va voir. À mon avis, il est pas allé. Du pont déjà là, mais à mon avis j'ai ma petite idée. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si je vois pas encore, on sait jamais. J'ai ma petite idée, Brody, de savoir où c'est. J'ai contacté le... Vas-y, je te suis. J'ai contacté le Madame Bellec. Elle ne répond pas au téléphone, message, elle répond. En disant pas de soucis, c'est une fausse alerte. Malheureusement, j'ai pas de moyen de m'assurer de la vérité de ses propos. Elle peut être influencée justement. Et là, quand je réessaye d'appeler et que je lui envoie un message, disons que de répondre à mes appels et de ou de me communiquer à sa position, il n'y a rien qui lui revient. J'ai ma petite idée, Brody. À mon avis, c'est Sauzon aux côtes. C'est au niveau du. Vas-y, je te laisse mettre le gyro, s'il te plaît. Merci. Avec le moment de psy. Allez, écoute. Du coup, sur position de ce Jobo qui va être répatrié au niveau du CHU, le palais. Est-ce qu'il y a une unité qui peut se rendre sur position pour sécuriser? Vous êtes pas disponible, Sig? Ah bah, on est à la recherche du préfet pour le moment, on peut pas être partout. Ah, vous patientez avec monsieur Hendrix, je vais entrer en contact avec monsieur le procureur. C'est un prix, on patiente. Brody sur courte GI, j'essaye de recontacter et d'envoyer un message type blanc à Madame de sa position et de répondre à mes appels. Il n'y a rien qui revient, donc à mon avis, l'idée que ce soit influencé par des personnes soit la bonne. Affirmatif, c'est possible aussi. En tout cas, pour l'instant, je peux pas faire plus, je vais essayer d'appeler de temps en temps. Si j'ai une réponse, je vous communique. Je pense pas, je vais vérifier au niveau du commandement. Est-ce
sur Court Panel B de Brody. Je viens de passer sur Court GI pour Belek. Non, la dame là, et la ville, je sais plus quoi. Aucune réponse de sa part. Elle a juste dit que il y avait, c'était fausse alerte, pas de soucis. J'ai pas de moyen de vérifier la véracité, donc moi j'ai rappelé plusieurs fois, je lui ai demandé de me donner sa position et de répondre aux appels. Aucune réponse, donc à mon avis elle est soit influencée, soit complice. De plus, il y a J qui demande s'il y a des SR pour triangulation numéro et si c'est possible d'ouvrir un choc à 56. Négatif. Négatif, on va bouger là, on vérifie vite la plage où on est et puis on se passe. Tu peux me guider vers la plage, Brony? Bien pris. Brony sur Côte GI, un Chouka 56 va être ouvert d'ici 5 minutes. Ok, bien pris. Tu es où? Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, j'en sais rien, hein, mais. Bord de mer, c'est vers où? Par là. Attends. Où c'est que c'était? Putain, je me rappelle pas où c'est que c'était. Au fond. C'est pas grave, il faut qu'on remplace Psy. Ouais. Tu sais que je suis à fond là? Ouais. V2 sur courte LP. Attends, je vais vite fait voir au fond là. Psy n'est pas sur CHE actuellement. Alors, on pourra pas y aller. Oh putain, on va pas avancer, on pourra pas y aller. C'est mort. Pour l'ouverture de Chouka 56, on nous a dit de remplacer Psyg au CHU. Or, Psyg n'est pas sur CHU. À l'ensemble, on vient de récupérer le préfet. Position, s'il vous plaît. Position des 25. Ouais, suivi de V2, on sera en surposition. Tu me guides à leur position, s'il te plaît. En fait, je sais pas où c'est. Sur quelle position? J'ai. Un pic de commandement annulé, Chouka. J'ai. Okay. Là, tu continues tout droit. Vas-y, je te laisse allumer le gyro, s'il te plaît. Et tu prendras la prochaine à droite. À droite là. Utilise ton frein à main quand t'as un virage serré comme ça. D'accord. Aussi. À l'ensemble. Tu me dis où c'est, hein? Ouais, ils sont à brigade. Brigade? À l'ensemble, Madame Overbeck est donc suspecte et confirmée suspecte. Elle est en haute rôde violée. Bien pris de V2. Bien pris de Psyg.
Tu confirmes, hein, ben. La ressource sur longue. Allez, écoute, je vous attends en urgence au niveau du bâtiment des officiers. Avec l'arbre, j'ai rien vu en fait par rapport à l'entrée. Ils ont un problème, ils sont sur le toit. Fais gaffe, il y en a là, hein. Attention! Ils sont là. T'as pas vu qu'ils sont là? Non, négatif, je les ai pas vus, désolé. Désolé. On a contacté les déconneurs, on a eu un petit souci. Hein. Tout va bien, monsieur? On a pas de balisage, les gars, vous avez du... on a pas de balisage sur nous. Moi, je vais vous baliser la zone si vous voulez. Ouais, on va bien. Dans le noir, je te jure, je les ai pas vus. Bagnole de commandement. Ah, Bagnole, t'es là? Et on fait un contrôle. Négatif, à Bagnole, il est pas. Mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Ouais, pas ça, c'est pas dessus. Je sais que la preuve panneau, en plus, c'est son. Allez-y, vous pouvez descendre, monsieur. Donc, petite contrainte d'initiative. Allez, écoute. Je vous laisse ouvrir le coffre. Parfait. Fin de service de la gendarme, John Guyen, bonne soirée à tous. Ouais, tenez. Alors, tac 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 tac, c'est dans cette poche-ci. Hop, je tenais. Hello, bienvenue, bien, bonne soirée, bienvenue. Ça va super, merci à toi, merci d'être passé, en tout cas bonne soirée à toi, bonne soirée. Oui, pour votre audition. Ouais, bah parce qu'en fait ça fait genre vous êtes mis en recherche. Le service adjudant chef Alexis Lacroix, unité PMO en attente d'un dispatch. Commandement d'adjudant chef de Lacroix. Justement. Allez, écoute. Vous pouvez passer sur Courtepéen s'il vous plaît. OP2 rectification. Figuin de LP. Figuin écoute. Attente de redispatch pour deux élèves gendarmes.
Ouais, parce que je sais pas, on m'a dit, mais j'ai qu'est qui sur quoi de V2 de comment sur quoi. C'est PMO V2. Donc, c'est non, négatif, il y a le commandant Brody et moi, il m'a déjà en chef. Il est courte, il a changé de courte, mais il... Ah, je suis sous courte. Ok, parfait. Très bien. Commandement, major Sinclair. À l'écoute. Ouais. La préfecture me signale que le véhicule de Madame Overbeck, de couleur rose ou violette, qui a été sorti le jour d'Halloween. Vous avez pu contacter les dépanneurs? Ah ouais, c'est bon, c'est bon, ça arrive. C'est le véhicule qui est recherché. Bien, c'est de commande. Information déjà transmise il y a 10 minutes. Très bien, je vais juste vous demander votre carte d'identité. Je vais attendre. Ouais, tenez, attendez. Hein. Hop, voilà. Ouais. Les deux élèves gendarmes qui sont en train de se faire passer contre psychique. Carte d'identité, vous pouvez remonter. Vous pouvez dire à votre collègue de sortir, s'il vous plaît. 7, 3, 9, voilà. Merci beaucoup. Très bien, votre carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Elle est. Tenez. Mais je vous rends votre carte d'identité. Merci bien. Merci monsieur pour votre temps. Pas de soucis. Je vais vous demander de passer sur la gauche pour éviter l'accident. Merci. Ça marche. Oh, on va pouvoir te tirer, mais enfin, mes oreilles. Bonne continuation, bon courage. Merci. De l'autre côté, s'il te plaît. Monsieur. Mais deux secondes courtes d'être du genre chef de la croix. Sur écoute. Les deux élèves gendarmes sont branchés sans courte. Négatif, ils sont sur PSIG. Ok, c'est reçu. Madame Neville, ouais. J'essaie de faire genre. Je pense qu'elle est pas suspecte et qu'elle fait partie des victimes. Je sais pas, je lui ai dit de venir voir la brigade pour un atout de sécurité, etc. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Pour l'instant, elle te répond Non, non, elle m'a répondu une seule fois au début pour lui dire que c'était une grosse alerte. Je vais mettre un message, je vais envoyer un message qu'on a toujours pas retrouvé le préfet, qu'on voudrait bien que. Enfin, un genre de truc. Ah, il y en a qui sont débiles, on sait jamais, tu sais. Sur le. Dans le doute, on va essayer. De toute façon, que je le fasse ou que je le fasse pas, si elle est pas débile, elle viendra pas. Donc, je vais quand même essayer. Quoi. Au moins si. Je vais attention, VSAV en approche. Chose. Attention, FPT en approche. Histoire d'ouvrir le dialogue. Je vais péter un câble avec cette sirène. Vous pouvez pas la désactiver? Négatif. Vous avez noté là des dépanneurs? J'ai 5 minutes tout à l'heure.
Ouais, d'accord. 5 minutes et 10 minutes. Ouais, c'est ça, on est d'accord. D'où il vient lui avec ton DAF là ? Vas-y, je le contrôle. Je le contrôle, mon bébé. Monsieur, bonjour, vous ralentissez, vous mettez sur le bas-côté, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour. Bonjour, vous n'avez moi, s'il vous plaît. Je suis. J'ai l'impression d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Je vous présente mes papiers, oui, bien sûr. Hop. S'il vous plaît, pièce d'identité, permis carte de conduire. Carte d'identité, et voici le permis. Parfait, c'est votre véhicule ? Oui. Ok, faisiez quoi, monsieur, dans le coin ? Eh ben, j'ai été vendre un peu mes diamants, j'ai profité de la calmie de le palais pour me faire un petit trajet et vendre, éviter les voleurs, parce que ce matin, je me sais pas quoi. Le commandement qui a mis des points sur 4 au niveau de Poissas. Ah, il me semble que c'est les écoles, la location, la localisation de. Du coup, vous avez pas eu de problème particulier pendant le trajet ou chose comme pendant ça? Pendant le trajet, non, juste ce matin je me suis fait braquer, mais donc, ce matin j'étais avec vous. Ouais, ouais, voilà. Là, ça s'est bien passé, ça va, heureusement, j'ai profité de la calmie pour d'accord. aller vendre. D'accord, d'accord. C'est mon dernier trajet aujourd'hui. Ok, parfait. Travaille chez le camion maintenant. Ouais. Très bien. Voilà. Donc, du coup, je vous renvoie au papier, monsieur. Pour toutes les patrouilles oui. de commandement, un feu a été repéré par les pompiers. Je vous souhaite un bon courage. Mais toujours, merci beaucoup. Bon courage à vous. Bon courage. Ouais, affirmatif. Je vais vous réinsérer.